Madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame, reculez un peu. Vous êtes dans la caméra. Voilà, merci. Voilà. On recule, Papa. Ah. Vite, tu le vois. Tu vas m'allonger. Mais on n'a pas de choix. Casse tout, on vient de prendre le sang dans le sang. Sur l'instruction du président de la République et en accord avec la chef du gouvernement, dans les cadres d'une mission d'itinérance que j'assure à travers tout le pays pour faire le suivi de projets de construction. De la modernisation des infrastructures des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Ceci pour améliorer, pour garantir plutôt l'amélioration des conditions d'apprentissage de nos étudiants. Petite salle de réunion. Donc, vous ressortez par là, nous allons sortir comme ça. On fait. Permettez qu'elle réponde à ma demande quand je lui ferai comme ça. Si elle promet, elle le fera. Il a demandé, je vais lui répondre. Ok.
Merci. On peut alors avancer. On aurait bien voulu manger avec vous. C'est ça. On voulait s'aller manger. Pas avec la bête. Je l'amène avec toi. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Excellence, que tout le monde soit béni de votre visite dans notre petit champ. Avec qui il a des... là-bas au coin. De notre capacité aujourd'hui pour imprimer les travaux des étudiants, les travaux des profs. On a même des machines pour imprimer les t-shirts, les polos, les képis, les tasses. Donc on a acquis cette technologie. Donc, c'est pas des choses imaginaires, c'est des choses qui sont sur place à l'UPCC. Notre objectif, c'est de pouvoir imprimer jusqu'au livre.
cette machine-là a déjà imprimé des livres entiers. Au lieu d'avoir une imprimerie à part, maintenant, on a tout incorporé dans le laboratoire informatique. Ah oui. La chaîne de radio, elle est opérationnelle, mais on a suspendu parce qu'on est en train d'arranger le cadre. C'est juste la porte voisine. On finalise le studio dans les mêmes couleurs. On va dans 2 semaines au maximum. On va être de nouveau sur les airs et de manière définitive. Maintenant, on a le studio. On a aussi les bureaux. Les bureaux pour le directeur de programme, le bureau d'édition du journal, la rédaction, la salle des réunions. Mais on a aussi le secrétariat pour recevoir les communiqués, les personnes qui viennent pour la radio. Et donc le bâtiment est fini. Maintenant, il reste des travaux de finition à l'intérieur. C'est comme ça que j'ai dit, dans 3 semaines au maximum, on aura le studio, la radio fonctionnelle. Nous pensons que dans un avenir proche, ce laboratoire va laisser la place à la télévision. Parce que au deuxième niveau de l'immeuble de la bibliothèque, on va mettre le laboratoire informatique et les autres. Ça, c'est prévu pour la télévision. La fréquence? Toujours 96.0. Voilà. Et là, ce sont des machines. Ah oui. Ça évolue bien ici? Oui, ça va quand même. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis en train de me distraire un peu avec mes histoires. J'avais un travail, je l'ai déjà fini. Et là, je vois un peu ma formulation de classe VG3. Je suis en train de me distraire, je vois un peu des choses là. D'accord. La radio là. D'accord. De plus en plus aménagé. Salle de lecture. Salle de lecture. PCC logement. La salle du serveur de la bibliothèque virtuelle. Et donc, qui est déjà en place, mais qui va, comme vous voyez, le serveur il est là. Il va bientôt fonctionner sur les téléphones de nos étudiants, de tous ceux qui ont un code sur l'ensemble. Et puis il fonctionne sans internet. Donc, ça n'a pas besoin de la connexion internet. C'est vrai que nous abonnons au wifi de RTL pour les autres machines. Mais pour les machines qui sont dans la salle de lecture, on va augmenter le nombre. On peut lire sans internet des ouvrages en ligne. Et puis,
bientôt on va mettre la connexion pour tous nos chercheurs, tous nos étudiants sur le campus, jusqu'à un certain rayon. Mais il faut avoir le temps. Un pas des géants, hein, il faut le dire. D'un grand bond, parce que j'étais ici en 2000. Même la salle de lecture, elle est aujourd'hui installée. On attend une autre quantité de tables d'ici la fin de la semaine. Comme ça, on va l'arroser. Les lecteurs de l'intérieur ou de l'extérieur sont déjà les bienvenus. On peut. Le bibliothécaire et son assistant. Voilà. Là, nous avons les usuels. Hein. Nous avons placé les dictionnaires et les encyclopédies là-bas. Les revues. Toutes les revues sont placées là-bas. Et il y a aussi les disques ou bien les documents numériques que nous avons là-bas. Et il y a aussi des revues numériques, sinon la ligne. Les étudiants qui seront abonnés, qui seront en ligne, ils vont quand même apprécier ce que nous sommes en train de faire avec la bibliothèque virtuelle. Bon, dans l'ensemble ici, nous avons classé les ouvrages selon la classification décimale de Douai. C'est une classification universelle. Quelle classification vous avez dit? La classification décimale de Douai. C'est-à-dire? Douai, c'était un bibliothécaire américain qui a inventé un peu comment est-ce qu'il faut classer les ouvrages dans la bibliothèque. Alors nous avons classé ces ouvrages selon les 10 classes fondamentales. Selon les 10 classes, les ouvrages qui viennent, ils sont classés dans ces 10 classes-là fondamentales de Douai. Alors nous avons par exemple la religion. Oui. Tous les ouvrages de religion se trouvent là. Bon, il y a par exemple les ouvrages concernant la technologie ou bien sciences appliquées. Ils sont placés ici. J'ai mis même là-bas technologie ou sciences appliquées. Maintenant là, nous avons les arts, les beaux-arts, les arts décoratifs et les loisirs, selon cette classification. Alors, à part cette classe de technologie et sciences appliquées, nous avons aussi, là au milieu, là, les sciences sociales. Les sciences sociales. C'est-à-dire, il y a les droits là-dedans, il y a l'économie, il y a l'éducation, ainsi de suite. Ici, là, c'est sciences sociales. Sciences sociales là-bas. Ici, c'est les arts. Le rayon ici, c'est pour les sciences sociales. C'est-à-dire l'économie ici, les droits, les sciences de l'éducation ici. Au verso de cette étagère, nous avons les sciences pures, les mathématiques, la biologie, tout ça, ça y est, sur cette étagère. Et ici, au milieu encore, ici, nous avons placé le langage, donc les ouvrages sur les langues, les différentes langues, l'anglais, le français, l'hébreu, le grec. Nous avons placé ça ici. C'est comme nous avons ici la grammaire hébraïque. Grammaire hébraïque. Alors, pour nos étudiants qui font la théologie. Ici, nous avons placé la psychologie, la philosophie et la psychologie. Tous les ouvrages de philosophie sont placés ici. Les ouvrages de psychologie sont placés ici, les différentes psychologies sont placées ici. Psychologie, philosophie. Voilà, les deux côtés ici. Ici, nous avons placé, par exemple, les généralités. Généralités, nous avons, par exemple, les ouvrages sur l'informatique. Nous avons les ouvrages sur la communication.
Ah oui, la communication. Le journalisme, tout ça, nous les plaçons dans le, ce qu'on appelle les généralités. Ah, là vous êtes arrivé à... Donc, nous plaçons le journalisme, la communication, science de communication ici. Ah. Alors, à part ça, derrière vous là, nous avons la littérature. La littérature. Derrière vous. Les deux étagères ici. Oui. Ça, c'est la littérature. Toutes sortes de littérature. La littérature africaine, la littérature américaine, la littérature française, anglaise, tout ça. Nous avons classé tous ces ouvrages, les romans, nous avons classé ça ici. Ça, c'est la littérature. Bon, là, vous voyez en dessous, là, nous avons classé ce que nous appelons les travaux des étudiants. Ah oui, monsieur le recteur. Nos impressions sont très positives. Je vois que notre ministre a pris le temps de nous voir. Et pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bien que ce soit bref, mais j'ai pu lire dans ses pensées. Et là, trouver quelque chose de bien. Que nous existons, que nous progressons. Cela est pour nous un signe de joie et d'espérance. Qu'est-ce que l'UPCC attend d'elle ou de cette visite? Nous attendons de Son Excellence, Madame la Ministre, le soutien en termes de programme. Parce que son prédécesseur avait accepté de signer des arrêtés pour la restructuration de l'université, mais il n'est pas passé à l'acte comme il avait promis. Nous attendons cela d'elle. En même temps, le gouvernement de la République, par le biais du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, nous a promis le campus pétrole. Il a été décidé de construire au Congo 3 campus pétrole. Le premier à Mwanda, le deuxième au Nord Kivu et le troisième à l'UPCC au Kasaï Oriental. Alors, cette promesse, ce projet est resté sans réalisation. Nous aimerions que Son Excellence nous appuie pour cela. Et nous avons d'autres programmes, notamment le programme de formation de 40 ou 50 professeurs propres à l'UPCC, pour lequel nous allons solliciter son aval, parce que nous voulons le faire avec une université étrangère. Et donc, c'est autant de choses que nous sollicitons de la part de Son Excellence. Au-delà de l'organisation des enseignements, il se pose aussi, dans notre pays, les problèmes de la viabilité des universités. Vous, en tant que recteur de l'UPCC, est-ce qu'à ce jour, vous pouvez donner des assurances quant à cela? Je crois que c'est visible. L'UPCC a fait ces dernières années de grands progrès en termes d'infrastructures pour l'administration de l'université, mais également pour les auditoires, mais également pour les équipements, les outils de travail, la bibliothèque principalement, où nous avons même une bibliothèque virtuelle, les laboratoires informatiques, le studio école pour nos étudiants de SIC. C'est tout un tas de programmes qui aujourd'hui sont réellement effectifs et nous avons en chantier beaucoup d'autres programmes pour améliorer la viabilité de notre établissement. Ceux qui vous suivent, les parents et même les étudiants qui n'ont pas où aller ou qui peuvent faire route avec vous, quel message en cette période où nous attendons la rentrée académique? Le message est clair. L'UPCC, c'est le meilleur endroit. J'invite les parents, les étudiants, les candidats étudiants, les nouveaux diplômés, les anciens diplômés à passer par notre campus, simplement pour se convaincre que nous sommes en pleine évolution, mais également de nous faire confiance.
parce que nous donnons une des meilleures formations. Cela se vérifie. On a aujourd'hui des magistrats sortis de l'UPCC, des avocats qui ont prêté serment. On a des inspecteurs et des responsables d'éducation sortis de chez nous. Et l'UPCC fait son bonhomme de chemin. Et donc, qu'il n'hésite pas. Bien que nous soyons conscients des conditions précaires sur le plan économique de notre population, nous offrons une formation à un prix abordable, simplement pour rencontrer ces difficultés des parents. Monsieur le recteur, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et moi, je fais... Voilà. Thank you.